est parti aujourd'hui pour un cache-cache Poucave dans Neo Tilted, les gars. Effectivement, Neo Tilted, une ville du chapitre 1 est de retour au chapitre 3 de Fortnite. Et aujourd'hui, moi et Nobo, on va chercher après le meilleur en cache-cache. Le vainqueur remportera bien évidemment des V-Bucks totalement gratuitement. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour vous cacher. Choisissez la meilleure des cachettes. Et moi, j'en fiche personnellement. J'adore les cache-cache Poucave. J'adore quand ils trahissent leurs petits amis. En plus, tu sais quoi, j'ai déjà regardé Neo Tilted et il y a des cachettes de malades Mentalus. Les gars, petit passage pour vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre le code créateur N-O-B-O-E dans la boutique. 3, 2, 1, caché ou pas, nous arrivons, c'est parti. Bah, moi, je te propose de commencer par la gauche de Neo Tilted. Ouais, absolument, je propose qu'on fasse des gauches vers la droite. Et mais gros c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Directement une personne qui n'a pas trouvé sa cachette. Oh non, la pauvre. Oh non, elle me fait vraiment de la peine. Bon, mais lance une grosse tomate dans la tête. Oh. Petit passage pour vous dire que je suis en live Twitch tous les soirs à partir de 21h. Le lien est dans la description, donc n'hésite surtout pas à venir. Alors, est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un ou pas? Attends. Ah, elle court direct pour essayer de Poucave quelqu'un. Oh, mais oh, non, regarde. Mais non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Il est sérieux, Johnny Z. Bien joué, tu peux aller te recacher. Non, mais clairement, Johnny Z, je suis désolé, c'est clairement la pire des cachettes. Allez, hop. Nous avons notre premier éliminé. Ce n'est pas lui qui va remporter les V-Bucks. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars, pour savoir qui sera le regagnant. Et en vrai, je pense que c'était quelqu'un qui détestait parce qu'il est carrément venu nous voir pour le Poucave. Donc c'était clairement un ennemi à lui, je pense. En fait, je commence à comprendre. En fait, je pense que c'était son meilleur pote, en fait. Et il a voulu le Poucave, comme ça il est sûr et certain de gagner les V-Bucks. Par contre les gars, faites attention parce que même si vous pouvez Poucave des gens, si je vous trouve deux fois, ben vous ne pouvez pas Poucave deux fois. Mais bon, tu vois ce que je vois là? Est-ce que tu vois ce que je vois là-bas en haut? Tu vois ce que je vois là-bas? Oh non, non, non. Oh non, ne bouge pas, ne bouge pas, nous arrivons. Oh non, la pauvre. Oh vraiment, elle me fait de la peine. Là, elle se dit, bah je suis dans le caca, je pense, hein, très clairement. Tu penses qu'elle va Poucave quelqu'un ou pas? En vrai, pour le moment, en vrai, c'est très facile de Poucave parce que déjà, c'est une très petite ville. Attends, viens juste ici. Hop, attention. Alors, Ryan, est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un ou pas? Oui, allez, t'as 10 secondes pour Poucave quelqu'un. 3, 10, 9, Regarde moi. Oh non, le sapin. Oh non, le pauvre. Oh non, le pauvre sapinou. Oh non, je suis désolé. Mais c'est fini pour toi. Tu peux repartir te cacher. Oh là là, mais t'as vu, Nobo, il y a beaucoup d'action en ce début de partie à Neo Tilted. Effectivement, ils ont bien regardé le terrain et c'est des Poucaves de qualité pour le moment. Nous sommes dans le plus grand cache-cache Poucave au monde, hein, réellement. En vrai, là... En vrai, je suis trop content qu'ils aient remis Fortnite Neo Tilted. C'est clairement l'une de mes villes favorites de tout Fortnite au monde. Attends, mais gros. Mais attends, mais t'as vu ce que j'ai vu là? Ok, il fait que. Attends, mais c'est la même personne ou pas? Est-ce que c'est la même personne de tout à l'heure? Je pense bien. J'en fiche, mais on l'a trouvé, mais il veut quand même me faire un cadeau. Je peux lui faire, s'il te plaît. Si tu veux, par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne qu'on a trouvé en premier juste avant, parce qu'il y a deux fois les mêmes skins. Donc, est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un, oui ou non? Poucave quelqu'un, t'as 10 secondes. 10, 9, 8, 7. Oh non. Oh non. Oh non, le pauvre. Oh là 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 là. Bah, c'est bon, t'as 10 secondes, tu peux partir te cacher. Allez, c'est parti. Ben Nobo, je sais pas ce que t'en penses, mais là pour le moment, on dirait pas qu'il y a énormément de cachettes parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelqu'un, il Poucave en 2-3 secondes en fait. Ouais, mais c'est clair, mais j'ai surtout l'impression que pour le moment, on trouve des Poucaves de qualité qui font exprès de se faire voir hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous des cachettes ouais, faciles. Ouais, je vois, je comprends. Par contre, il me semble que j'ai entendu du bruit par ici. En dessous de l'escalier? Non, ils sont pas en dessous de l'escalier. J'ai entendu quelqu'un marcher vers le haut. Attention. Par ici là, dans cette petite. Regarde, viens ici gros. Attends. Allez, en dessous de l'escalier, c'est clairement la pire des cachettes en dessous de l'escalier. Attends, c'est Yuri, est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un? Ouais, il souhaite Poucave quelqu'un. Vas-y, tu sais quoi, t'as 10 secondes pour le trouver. Attention, regarde, ça va être très rapide gros. Allez, 5, 4, oh, 3, mais non, mais non. Deux mecs. Ok, merci Yuri, tu peux partir te recacher. Vous savez quoi, comme vous êtes deux, je vais faire un pile ou face et celui qui remporte le pile ou face peut aller se recacher. Attention, toi t'es pile, toi t'es face. Face. Et c'est pile. Oh non, pile. Bonne continuation, bonsoir. Bonne continuation. Mais... Allez, voilà. Ça s'en va. Alors Noma, tu peux repartir te cacher.
Mais attends, mais mec, mais c'est incroyable. Pour le moment, c'est un sans faute de la part des Poucaves, hein, très clairement. Exactement, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que là, ils sont en train de trembler, ils sont en train de stresser. Oh! Quoi? Nobo, c'est les toilettes, t'as pas envie de faire caca? Si, là, j'ai clairement envie d'aller faire caca. Attendez, attendez, hop, je vais aller faire caca alors, dans ce... Ah, alors, est-ce que tu vois quelqu'un? Oh, il y a un coffre, mais attends. Mais gros, mais personne a pris... Bon, attends, je vais quand même faire caca, mais... Oh! Mais attends, mais qui était en train de me regarder en train de faire caca? Mais il est sérieux ou quoi? Non, il est sérieux, il a voulu te regarder en train de faire caca, mais c'est pas des choses acceptables, ce genre de choses. Non, il dit non, il dit non, mais moi j'ose pas lui croire. Hein. Bon, allez, attention, son pseudo c'est Matt Fortnite 2010. Alors, Matt Fortnite 2010, souhaites-tu Pouka avec quelqu'un? Oui, allez, t'as 10 secondes, mec. Allez, bonne chance à toi, on te suit. 19, 8, 7. Il galère. Ouais, lui, c'est pas. 6, 5, 4, oh 3, 2. Oh, oh non! Oh, mais gros, la cache était incroyable. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que je verrais pas des petits orteils là dépasser en dessous du panneau? Attends, guédé. Ah. Merci Matt Fortnite 2010, tu peux partir te recacher. Oh là là, attends, bah du coup malheureusement pour toi, tu t'es fait poucaver. La sentence est irrévocable. Non, oh oh, bah on a cassé le panneau publicitaire. Mais non, mais l'écran. Mais attends, mais les poucaves sont trop forts. Genre, on est toujours sur un 100% là, mais tu t'en rends compte de ça, Jean-Fils? Effectivement, j'adore ce genre de vidéo, c'est très incroyable aussi qu'il se passe. Oh, attends, il y a une station essence juste ici. Nobo, d'ailleurs, il faut mettre combien de pouces bleus en dessous de cette vidéo? Oh, cette vidéo est clairement incroyable et moi elle fait partie de mes préférés, donc je demande 130 000 pouces bleus sous cette vidéo. Les gars, je compte sur vous, je sais que vous en êtes capables de la capacité. Ok, magnifique. Attention, ils sont peut-être sur le toit. Sur le toit, non. Ah, par contre, ce qui est bien à Néotiltet, c'est qu'à ça, tu vois, j'adore les ventilations qui nous permettent de prendre ultra vite la hauteur. Oh, oh non, je tombe. Hop. Oh. Ok, genre. Est-ce que tu penses qu'on a pas un peu vidé tout le bâtiment? Parce que là, je pense. Je pense bien, mais attends, ici j'ai vu quelqu'un ici sur la droite tout à l'heure. Un axolot qui essaye de se transformer de la même couleur que son décor. Franchement, bien tenté. Alors, Yellow Yak, ça fait quoi de se faire trouver, mec? Je suis un peu déçu. Ah, t'es un peu déçu, oh c'est pas grave, mais tu sais quoi? Tu peux continuer l'aventure si t'arrives à poucave quelqu'un en moins de 10 secondes. Ok. C'est parti, 3, 2, 1, let's go! 10, 9, oh, il a l'air de savoir où il va! 7, oh oui, j'ai peur là! Oh là là, il va faire trembler un maximum de personnes! Oh, oh non, le grand! Bien joué, Yellow Yak! Tu peux repartir te cacher! Et malheureusement, c'est Diz qui s'est fait poucaver! Et t'as vu, l'étau se resserre, Nobo! Parce que pour le moment, il ne reste plus que 3 personnes en vie présentes dans cette partie! Bon, Nobo, comme tu le sais, l'étau est en train de se serrer! Il ne reste plus que 5 personnes en vie! 5 personnes qui vont se départager pour savoir qui sera l'heureux gagnant des V-Bucks totalement gratuitement! Est-ce que je suis quelqu'un de généreux, oui ou non, Nobo? Tu es plus que généreux, c'est incroyable ce que tu fais envers tes abonnés. Mais moi je trouve que pour chercher beaucoup plus efficacement, on pourrait se séparer en deux. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Oh, c'est une plutôt bonne idée. Bah tu sais quoi, fouille le bâtiment ici, je vais fouiller l'autre. D'ailleurs les gars, si vous souhaitez participer à ce genre de vidéo pour espérer pouvoir gagner des V-Bucks totalement gratuitement, les gars, il suffit juste de rejoindre mon Discord qui est en première ligne de description, les gars. Je compte sur vous. Alors attends, il faut regarder aux abords aussi de Néotiltet parce que c'est vrai que bah y a quelques bâtiments sur les abords. Oh, nice, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un, gros. Attends, mais j'arrive directement. Mais attends, il était trop bien caché ou quoi? Attends. En vrai, il était pas mal, mais il était sur les abords. Du coup, d'office, on va trouver les autres sur les abords. Bon, malheureusement, mec, on t'a trouvé pour la deuxième fois. Tu n'as pas la chance de pouvoir poucave autre personne. Du coup, nous t'éliminons et merci pour ta participation. Ok, regarde là, il y a un buisson. Me dis pas qu'il y a un mec dans le buisson, sinon je vais péter un câble, gros. Non, me dis pas que t'en as trouvé un. J'ai trouvé la même personne que tout à l'heure. Tu vois la roqueuse avec ses cheveux verts fluo? Ouais, t'es tombé dessus. Attends, j'arrive quoi? Elle s'est cachée exactement au même endroit qu'on l'a trouvé tout à l'heure, gros. Ah, mais la vérité, c'était super intelligent parce qu'elle a pensé qu'on avait plus re-regardé. Mais du coup, ouais, c'est super intelligent, mais pas contre moi. Malheureusement, Yuri, tu t'es fait trouver. Tu ne peux pas donc poucave quelqu'un puisque t'as déjà poucave quelqu'un. Adios amigos. Depuis un long moment qu'on a réalisé ce cache-cache. J'ai quelque chose de très rosâtre par ici.
Oh, oh, gros, j'arrive tout de suite, bouge même pas, Nobo. Oh, 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 oh. À savoir qu'il ne reste plus que 3 personnes. Oh non, c'est Nomad. Bon, Nomad, malheureusement, tu t'es fait trouver, mais Nomad, il a jamais Poucave. Donc, Nomad, tu as la chance de pouvoir espérer Poucave quelqu'un. Tu as 10 secondes, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tu penses que Nobo, il va réussir ou pas? Je pense pas, c'est trop... Oh, trop court pour lui. 1, attention. Non, les 10 secondes sont passées. Malheureusement, Nomad, tu n'as pas réussi à trouver quelqu'un pour pouvoir le poucave. Attends, mais sa cachette devait être incroyable, celui-là. C'est pas possible qu'on ait passé autant de temps avec TV. Fais peu de bruit. Regarde, là. Tu vois ce que je vois ou pas? Est-ce que ce serait pas un petit pied que je vois là-bas dépasser? Je pense que si. Vas-y, prends ton sniper, mec. Ouais. 3, 2, 1. Boum. Allez, ouais. Ça sort. Gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais on m'a tiré dessus. Attends, je pense que c'est lui, hein. Attends, mais il est sérieux ou quoi? Il est sérieux, lui? Il est sérieux, quoi? Mais complètement malade, celui-là. Mais attends, mais... Allez. Mais du coup, félicitations. Il ne reste plus qu'une seule personne en vie présente dans les Utilted. Où elle est? Salut. Ah, il est juste là, gros. Il vient tout juste de tomber de... Gros. Il vient tout juste de tomber de l'arbre. Il était dans l'arbre. Mais non, mais il était dans l'arbre. Il y a tellement de chance qu'on a pas réussi à voir l'arbre. Mais je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui se cachait là-dedans. C'était sûr, en fait. Alors, bien joué, Matt Fortnite 2010, qui vient tout juste de remporter 2800 V-Bucks. Et voilà, les amis, c'est du coup Matt Fortnite 2010 qui a remporté ce cache-cache Poucave. Il était vraiment très très fort. En tout cas, GG à lui. N'oubliez pas votre like, votre commentaire. Et bien sûr, monsieur, sur les réseaux sociaux. Personnellement, je kiffe. Je fais pas de bisous. C'est la prochaine. Tchou.